Bonjour tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu Guns, Gore et Cannoli. Un jeu très old school, vu que c'est un run and gun, un jeu d'action, shoot, plateforme. Le genre de jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Car c'est bien sûr un jeu qui a un gameplay classique faisant penser à Metal Slug, la célèbre licence de chez SNK sortie en arcade et Neo Geo. Voilà. Donc quand on pense en général à la Neo Geo, les jeux les plus connus ce sont les Metal Slug. En tout cas ils font partie des jeux les plus connus. Donc Guns, Gore et Cannoli est sorti en 2015 sur PS4 et c'est d'ailleurs la version PS4 que je vous présente ici et maintenant. Le jeu est bien entendu disponible sur PC, Mac, ça je suis pas sûr pour Mac, mais Xbox One et Wii U. Voilà, normalement le jeu est disponible sur toutes ces machines. Avant de lancer le jeu, je vais vous montrer donc le menu, donc avec les réglages pour commencer, les indices qui nous expliquent un petit peu comment sauter, lancer des grenades. Il nous suggère de faire des headshots, donc des tirs à la tête pour infliger plus de dégâts, et qui nous parle bien sûr du coup de pied pour repousser les zombies. Voilà. Ensuite, on a les commandes, donc c'est assez simple. On voit tout de suite que l'analogue droit et la croix directionnelle ne sont pas utilisés, ainsi que le touche centrale tactile de la manette. Donc, par contre, l'analogue gauche permet de bouger le personnage. L1 permet de lancer des molotov, L2 des grenades, R1 recharger, R2 tirer, triangle pour l'arme suivante, le rond pour le coup de pied, la croix pour sauter, et enfin le carré pour l'arme précédente. Donc on appuie sur retour. Je pense qu'on est bon. On va laisser les sous-titres car le jeu est en anglais. Et je vous rassure, les sous-titres sont en français. Donc on va faire une nouvelle partie. Difficulté normale. Et je lance. Et vous allez comprendre un petit peu le scénario. Allez, c'est parti. Je vous en dirai un petit peu plus après. The 1920s, the Prohibition years, violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinnie Cannoli, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Bellucci. He needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. My name is Mr. Bellucci. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city, and it seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Thank you.
This is your captain speaking. We've just arrived at Thugtown Harbor. Please stay in your cabins until we're fully docked and the bridges have been lowered. Hey, Commander, who are those people on shore? I don't know, sir, but hey, they're running up to the bridge. They're attacking the sailors. They're invading the ship. Oh, they're everywhere. Chunk-faced ghouls? What's going on up there? Donc, nous voilà enfin dans le jeu. Donc voilà, je voulais vous dire que cette vidéo faisait office de test et puis de présentation. On peut comme déjà remarquer, c'est super gelé. Hein. Ça me fait penser aux bandes dessinées franco-belges. D'accord. Pour ouvrir le feu. Ouais. Ok. Et là, je remarque en même temps que le pistolet de base a les munitions illimitées. Ce qui est pratique, si on n'a plus de munitions pour d'autres armes. Un petit ralentissement là sur le deuxième zombie. Oh là là! Il nous fait quoi lui? Aha. Ah, oh, ça c'est bon ça. Une petite grenade. Ça fait toujours son petit effet quand même. Là on peut pas passer par la porte. Rond pour donner. Voilà. Ah, d'accord. Ah, il a fallu que je recharge, ça c'est dommage. Ok. Et là, il n'y a rien à récupérer. Alors. J'ai quand même l'impression qu'il y a comme des ralentissements. Hein. C'est. Tiens, pour la peine, toi. Et voilà. La tête. Excellent. Ah, une grenade pour l'autre. Ah. Ah, bah tiens, il y a une tête là. Ah, donc là, on a. Le feu de signalisation, ça, c'est pour le checkpoint. D'accord. Ah ben. Ah.
Wow. Eh mais est-ce sans déconner? Ah, c'est un coréen celui quand même. Il me faudrait quand même que je mange. Il faudrait que je mange quelque chose pour remonter ma santé. Parce que là. Nothing beats the good old Tommy gun. Ah yes. Ah, j'ai un fusil mitrailleur maintenant. Pas mal. Ah mais c'est pas pratique ce truc là. Ouais, me dis pas que. Ah non non non. Voilà. Non mais c'est bête parce que il te colle comme ça, c'est. Bon, je suis un peu juste en santé là. J'ai presque envie de dire que, bah, que c'est ballot quoi. Oh non! Mais pas ici quoi! Pff, oh là là! Bon bah c'est pas grave. Ah d'accord. Ah bah. Ok. Donc déjà. Next, get right up. 50 bullets, no waiting. Ah, my next customer. Ça, je me suis débarrassé d'eux. Par contre, il y a quelqu'un en bas ou pas? Non, c'est bon. Voilà. C'est super joli quand même, hein. Bon, apparemment, on récupère pas grand-chose sur les ennemis. Non, bah. Voilà. Je vois qu'il y a des munitions tout là-haut. Ah non, pour la mitraillette, j'ai pas assez de. C'est pas grave. Oh, le fusil il est vraiment efficace. Ah, y a pas à dire. J'ai même reçu un trophée, popcorn. Et ça, c'était quoi ça? Ah bah génial, des munitions pour la mitraillette. Impeccable. Donc apparemment, on peut pas tirer en diagonale, chose que. Bah, il me semble qu'on peut le faire sur les Metal Slug. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas le faire là, mais. Now stay dead this time.
D'accord. Donc ça déjà, plein de munitions. Plein de munitions, ça veut tout dire. Ah bah. One more down. 30 million to go. Sans déconner, mais d'où elle sort? On va peut-être passer au fusil. Voilà, t'es fou toi. Tiens. Et mince. Hop là. Hop là, t'es fou toi. Ah. In goes the hot lead, out goes the guts. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi comme bêtise? Bon, j'aurais peut-être pas dû m'approcher comme ça, mais... Voilà. Ouais, faut pas qu'il y en ait encore une tonne comme ça parce que j'ai plus de santé moi. Ah. En tout cas, c'est bien fun. Ah, s'il y a un chargement, ça veut dire que c'est un... On va avoir un point de sauvegarde. Il y a quoi là? C'est un truc à récupérer là? Non. Salut! Vous me voyez pas? Bon, ok, j'arrête. Non mais attends, on peut pas aller là-bas? Non, on peut pas. Salut. Salut. Hey Tony, thought you was dead. Should have stayed that way. Donc ça c'est bon. Voilà. Là. Attends. Bah. C'est une blague. J'avais plus de munitions sur le pompe. Ah tiens. Bon. Ok. Voilà. Tom, can't live with him, can't kill him. But by God, I'll try. Nowadays.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh bah! Tiens! Bah tu l'as pas volé hein, pour le coup là. Voilà. Et tac. Bon, en tout cas c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Bon, c'est peut-être pas assez dynamique mais... Belles animations, graphiquement assez jolies. Même très 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 beau, moi je trouve, hein, perso, ça fait vraiment bande dessinée, c'est très très sympa, j'adore. Perso, j'adore. Oh. Là! Bah, c'est vrai qu'il faut vraiment pas être en corps à corps, hein, quand même, hein, parce que là, ça marche pas. Alors. Ah, les ralentissements comme ça, j'aime pas ça. Je pense que vous les verrez aussi comme moi. Voilà. Ah, mais fou. Ah, il doit recharger en plus. Il doit recharger. Ah, mais non, mais c'est pas vrai. Là, j'ai fait n'importe quoi. Sans déconner, mais c'est pas possible. Ça, c'est petit ralentissement qu'il y a par moment. Je trouve ça un peu chiant. Ouais, pour ce que ça a servi. Eh, sérieux là? Ah, mais c'est une blague ou quoi? Mais tu dis de lancer un cocktail Molotov. Moi, je suppose qu'il faut le lancer maintenant. Ah, forcément, si les ennemis arrivent qu'après. Ouais, je suis pas sûr là. Ah, sans déconner, mais les autres qui... Arrêtez de courir comme ça. Mais... Eh mais, hé hey. Sérieux? Il est blindé ou quoi, lui? Putain, mais alors des zombies armés, chapeau, hein. Ouais, c'est pas trop ce que je voulais en fait. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Alors est-ce que je peux avoir peut-être un peu plus en arrière des... Ah non. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Hey, you still look pretty good. Here's the next one for you. Donc voilà, bon la mitraille était sympa, mais c'est pas celle que je préfère non plus. Hein. Ah ouais! Ah oui! Ah bah là effectivement... Ah bah là forcément, si j'ai ça comme flingue, ça va le faire. Ah bah... Ah bah oui! Non, 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 les gars, arrêtez une seconde là. Mais c'est une blague. Ah, mais... Ah non, mais là, là, sans déconner, y'a pas de... Y'a pas de santé à récupérer. Ah ouais, non, non. Je me rappelle plus, au fait, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Non! Sans déconner!
Waouh. Ah d'accord. Et puis il me laisse avec la... Oh, les ralentissements. Sans déconner. Ah non mais bon, c'est chiant quoi. I'm selling lead by the kilo nowadays. Oh, je l'ai pas eu. Ouais, c'est vraiment, c'est la blague là. Et on peut aller là-haut ou pas? Ah bah non, eux ils peuvent y aller, mais toi tu peux pas quoi. Hey Tony, thought you was dead. Should have stayed that way. Pour les ralentissements, c'est vraiment, mais vraiment dommage. Et je fais n'importe quoi là. Pourquoi? J'avais oublié qu'on pouvait pas. C'est vrai que c'est des armes. Des armes. Comment? On peut pas tirer de loin avec les fusils. J'avais oublié ça. Sur le coup. Pris n'importe quoi. Alors je vérifie. Là d'accord. Là. Il n'y a plus beaucoup de balles. Hein. Ok. Ah ah, pas mal. That's some good canola. Ouais, checkpoint, pas mal. Ça pique les pieds, hein. Voilà. Du coup,
Voilà. Ensuite, ça c'est bon. Voilà. Attends. On peut prendre ça hein, pour le coup. Les balades. Oh. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire en plus. Oh là 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 là. Voilà. Là on est bon. Putain mec. Qu'est-ce que je suis bête. J'aurais pas dû faire ça. Déjà je m'embête avec ça mais... Ah, mais il n'y a pas de santé. Bon, de toute façon, pour cette première vidéo, je pense que je vais... Je pense que je vais arrêter bientôt, là. Donc si jamais je venais à mourir, j'arrêterai là. Oh, joli. That's some good canola. Et voilà, c'est impeccable. Bah écoutez, voilà, je vous laisse ici pour cette première vidéo de Guns, Gore et Cannoli. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. C'est vraiment très joli, une belle patte artistique. Au niveau gameplay, bah après voilà, c'est pas extraordinaire, hein. C'est vraiment du run and gun très très classique. Bon après je regrette qu'on puisse pas tirer en diagonale, mais après c'est vraiment classique, hein. On saute, on peut se mettre accroupi, on peut... Voilà, on tire, on a un choix de plusieurs armes, on a les grenades, les cocktails Molotov. Donc je pense que, enfin voilà, après c'est... Ce qui serait pas mal, peut-être, ça serait d'avoir, je sais pas, peut-être un petit bazooka ou un lance-roquette un petit peu plus tard. Ça pourrait être rigolo, surtout pour les boss ou pour balancer une petite roquette sur l'un des... l'ennemi, là, l'ennemi que j'ai eu tout à l'heure à deux ou trois reprises, je sais plus, qui balance des petites hachettes. Bah voilà, j'ai une petite roquette... Ça changerait de la grenade, quoi, histoire de changer. Bon, en tout cas, voilà. C'est... Bon, je pense que c'est un jeu qui est sans doute un peu répétitif sur la longueur. Et je serais forcément pas étonné, quoi. C'est aussi un petit peu le genre qui veut ça. Mais honnêtement, moi je vous le conseille. Hein. Franchement, je vous le conseille. Alors, la promo sur le PSN 3,99, c'est jusqu'au 20 septembre, je crois. 20 ou 21 septembre. Donc, du coup, je vais quand même essayer de mettre la vidéo quand même bien avant, quoi. Donc, je vous dis à la prochaine pour une seconde vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr .com, ça marche aussi. La chaîne vidéo Immortal71 Camille, de toute façon c'est pareil. Voilà, il y a aussi le Facebook, vous pouvez me trouver avec mon pseudo YouTube ou le nom du site, vous trouverez sans aucun souci. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, partagez, le pouce bleu. Allez, salut, ciao.